à Marrakech. J'y suis arrivé hier dans l'après-midi. En fait, quand j'ai réservé, je ne pensais pas que je serais au centre. En fait, je suis presque au centre-ville de Marrakech, dans la vieille ville. Il y a un avion là-bas qui va atterrir à l'aéroport de Marrakech. Ben, ça va être journée balade, visite, découverte. Alors petit à petit, du jus d'orange, mais là, fait directement devant moi, il n'y a pas de rajout d'eau. Je pense que ça sera... Enchanté, Nadia. Alors ça, c'est la marque NNN.
C'est un deal qu'on a lancé avec les artisans pour créer des produits qui n'existent pas sur le marché. Par exemple, on a mixé le cuir, le semi-cuir pour faire de jolies boîtes à bijoux. On a fait aussi des boucles. Au lieu d'avoir un agenda ou bien un bloc-notes tout banal, on a mixé le cuir, le velours et le papier recyclé. Dans les parapharmacies, on nous donne des pochettes de marque en plastique ou en semi-cuir. J'ai créé des jolies pochettes make-up à couleur, très jolies. Alors, on a des bandoulières. J'ai créé aussi un étui à téléphone qui peut prendre jusqu'à 2 téléphones. On rajoute une bandoulière en métal avec de jolis visuels sur une face et le cuir sur l'autre. Chaque groupe d'articles, il y a des artisans qui sont spécialisés. On travaille avec certaines coopératives féminines. Nous font des petites boucles d'oreilles à perlage et de l'argenterie. Alors sur ces articles, j'ai zéro commission. Tout ce que je vends, c'est à... C'est, voilà. Donc ça, c'est à but associatif, on va dire. Et toutes les petites pièces de cuir qui me restent, je fais faire des portes cartes visées aux portes cartes visées. Ah, bonne idée. Voilà. Je suis anti-gaspillage. Et même les petits bouts, je les emmène à une coopérative féminine sur la route d'Agafa et qui me fait des petits tapis avec Bushelwick, ce qu'on appelle Bushelwick. C'est des bouts de cuir rassemblés, c'est du patchwork. Le soleil se couche sur Marrakech et c'est la dernière soirée pour moi ici, puisque demain matin je reprends la route en direction de Jadida.